بيني. يكون عندك انا بور كوتيديان عندك بون ايكيفاليان بو كروسانس عندها شويه فارماسان هي لوحدها كي هي تاكثر المينوبوز عندها هذه هي كورسو مدوز او كورسو لادول ان بو بلوس شي لا فارماسان دي شي دونك تاع كروسانس انجرام ما عندك حتى خيار كان الحليب ومشتقاته مش السم الحليب ومشتقاته من اليهود والجبن واللبن والراي مش مشكله والريكوتا مش مشكله بيان سور دونك لي برودوي لي فرماج سي فام لان كل بانواع من الكل كل الكريير والبلو كلاسيك لي فرماج الكل ونحن مالوريزمون في كورس اوني اون بوبيلاسيون كي مونش با بيان سور غالي 100 غرام ولا توا من كيلو ولا 25000 بنكار 25 دينار معناها يشري واحد 150 غرام يحط 4000 شو هو شبن يا شبن عربي نحكي على شبنات عادي لازم اتونسيون اتونسيون قايس المباشر وكل الكوليير Donc, il y a le calcium, le calcium et le phosphore.
sachant que le phosphore est appliqué par d'autres produits alimentaires, par surtout les produits marins qui apportent le phosphore, et les très riches. Quels sont les bienfaits de résister à la puissance? Mais les mouches maintenant, les mouches de bouddhisme ont été créées naïves. حنا ما ضيعش الكالسيوم مش كيما مثلا الفولات الفولات اللي كريتراجيه بيسون فيتامين بي 9 ولا فيتامين سي دونك الكالسيوم il résiste c'est un élément résistant il est absorbé où طبعا partie non duodénal c'est très très au début où l'absorption du calcium se fait une absorption hormono-dépendante. Donc sous l'effet de la vitamine D dans sa forme la plus active. C'est une absorption transcellulaire. Donc il pénètre dans l'entérocyte sous l'effet hormonal par du calcium 24 protéines qui est donc sur la surface pour faire entrer le calcium et qui est médié par la vitamine D qui est transcrite comme protéine de transport. Donc ça c'est ce qu'on appelle le transport actif pour le hormone dépendant. Le nesbe de phosphore un peu plus loin, c'est le géginant et l'ion, où le phosphore passe. C'est par le même phénomène transcellulaire hormono dépendant, avec la médiation également de la GH et des hormones sexuelles accessoirement, comme activateur de cette absorption et comme inhibiteur, vous avez surtout le cortisol. Le cortisol pour les deux inhibe l'absorption de ces deux éléments, donc la corticothérapie, donc diminue le rendement d'absorption du calcium du phosphore et surtout du calcium. Les hormones sexuelles, l'œstrogène ou testo, la GH, accessoires, ils agissent en synergie avec les hormones thyroïdiennes également, accessoires. Positif, dans le sens positif de l'absorption. Ah. Donc il y a deux mains. Il y a deux éléments de deux mains. Le sucre, mais il y a chez nous. Il n'y a pas de passage de sucre félicite. Chez nous, il y a trop de dégâts. Le calcium et le phosphore, il est sujet, les deux sont sujets à des facteurs adrénaux. Donc ils peuvent être chélatés. C'est le meilleur
potentialisateur d'absorption du fer. On le met dans les comprimés. À la fin de l'année, vous produisez par le tour du fer. Moi, je dis que le tour va nous regarder la porte. C'est-à-dire pour vous donner une absorption. Maintenant, pour le phosphore, il est duodénal, l'exigénal. Mais, parallèle à cette absorption transcellulaire hormonodépendante, il y a une absorption petite paracellulaire passive. Paracellulaire passive. Et cette rencontre de ce qu'on appelle autrefois, de ce qu'on appelle le syndrome de Burnet. Le syndrome des buveurs de lit. Donc, autrefois, les gens consommaient 5-6 litres de lait pour calmer les douleurs de l'estomac. Il n'y avait pas de sentiment sérieux. Et on sait que le lait, c'est un produit alcalin. Il calme la douleur. Donc, il était obligé de consommer le lait tout au long de la journée pour calmer les effets gastralgiques. Et ces gens développent des hypercalcémies. Des hypercalcémies par franchise de barrière. Bien sûr, on ne le voit plus, non? Allez, ça vaut le syndrome de Burnet, d'une manière j'ai ou ça vaut le syndrome de Burnet. Je suis vraiment un grand. Donc, allez, il y a une barrière passive. Donc, par contre, la cible, les jonction. Il y a des vitamines D, il y a des vitamines D, mais je suis très bien. Voilà. Et on peut. Donc, en fait, la résultante, parce que la question passe dans le digestif, femme a des sécrétions dans le tube, dans l'avenir. Femme, la résultante, il y a 400 mg, vraiment, c'est dont on a besoin, pratiquement. Donc, qu'est-ce que je crois? Elle n'est plus absurde, mais dans la vie, c'est une cassure. Il n'y a même plus qu'à être la cassure, il y a au fait une arme, je parle d'efficacité. Tu es sûr que tu ne manges pas de cassure. Donc, la cassure, dont je vois, elle est très variable. نجم نقول أكثر من دم وتحت الدم. معناها ماهيش فماش حاجة عين تكون كيما مثلا الميوريال ديما أعلى، الميورين أعلى ولا الأسبرين أعلى من الدم. تي بو أفوار الكالسيورين 50 ميلي غرام. الكالسيورين بي بس، تموتي دي الكالسيورين. علاش؟ باش أنت عندك الهرمون هذيا كلها ديمون ستابل مش باش يشاور. الهرمون ديال الجسور شي خبايا. با تو مش با تبوزي دي كيستيون. وعندك لي سوندري مالك لي سوندري. عندي دي سورتي ودي كاتوار. اوكي، سي فاريابل، سي دي سورتي اوبليغاتوار. اوكي، جو سي كو لورار يابسور 98% دو سكي فيل دي مان. 2% يتي ليميني 2% دو سكي فيل دري. اون غادي نوندري سا. وعندي دو موفمون سوف. دونك إلى هير. إلى هير ما ثماش. علاش ما ثماش إلى هير ولا إلى تري ليميني؟ بوركوا؟ Deux raisons, toujours. Monte d'abord, voilà, monte de l'acteur. Les chutes de chauve de la vie, tu n'as pas de vitamine D. Le monoactif, ma mèche. Mais, voilà, là, c'est pas ma vitamine D, mais tu vous apportes très peu de communication. Ok, normal, parce qu'il y a un acteur qui est. Et lui, la vente, il est regardé. انا نعطيك مدرجه مثال جبان اللي ما دخلش شو معناه؟ نمشي نجم معناها نعطيك وما ترجعش ماكش قادر تبني ماكش قادر تبني غالي دونك فكريه وامور اوستيوبولوز بار نوم داكو يا اخي شو معناها؟ كل شيء دور في الوقت نعمل كاسي وينو مش تقعد تمر في العضلات انا عارفك زمان باخذ الغنيه منين؟ Si tu n'accomplis pas un minimum dans les entrées, ça y est. Tu as un problème. Le reconstruction, minéralisation osseuse. Voilà. Il y a ma bouche. Parce que le mouvement osseux va être mieux. Il y a un peu la pression pour reconstruire. Donc, on fait comme si Kéim était dans le stade, comme si la calciurie reflète chaud. Kéim, on les entrées.
كده خلي في ايدي يستر بناء من ماشي يا طب اغنيه لابسمون لا كاسوي لا كاسوي تري تري فيم اي با ساشي ان اوريزون ليجيستيك تاعك اي سون نو بالنسبة sachant qu'il a des hypercutanées, c'est sûr, soyez, ça dépend. Donc il y a une perte cutanée, il n'y a pas de perte expiratoire, hein, je me souviens. Donc l'hypercutanique, l'hypercutanée, et donc, regardez ici la filtration de l'OMD. Vous avez 270 mm par jour, comment on a calculé le calcium filtré, ce qu'on appelle le calcium, quoi. C'est-à-dire que ma rodèche, explosant, ce qu'on appelle une pression ultra-filtrale, qui passe à l'appareil anglais, qui sent, c'est 1,25 plus 0,25. Donc c'est le kélamine et l'ionisme. Donc le calcium, deux fractions, le calcium non ultra-filtrale, le calcium qui est l'apumite, ou le calcium ultra-filtrale, je connais, l'ionisme, ou l'étonisme. Donc, AMI, d'abord, on fait 1,5 litre, volume de filtration en milliliter par jour, vous aurez appliqué 270 mmol par jour, dans les différents. Après, je suis mis 5 mmol. Ah, c'est 5 à la dose de 170, vous aurez la proportion de ce qui est bien sûr. Donc, ce qui passe, je calcule le mécanisme 5 mmol, plus que vous pourriez absorber 25 mmol de calcium. Acte normal. Vous éliminez 2% de ce qui est. Donc 2% de l'unité au sommeil, la pêche. Hein? Ça va? Bon, si vous mangez beaucoup, vous éliminez acte. Vous filtrez acte, vous éliminez acte. Voilà. Aidez-vous. C'est un garant. L'absorption digestive garantit le changement. Okay. Garantit le changement, mais pas le c'est un garant. Je veux une arme d'élimination des ou c'est un garant pour que nos puisse fonctionner à l'aise. Il y a un moment d'ajouter à l'aise. Voilà. Ben, comment il est absorbé? C'est infiltré dans le du proximal de façon facile. La branche descendante, on ne touche pas. Rien ne passe dans la branche descendante, imperméable, tout le solide. On reprend une branche ascendante, 25% de façon passive également. Et 13% dans le second cortical de l'évolution, c'est la portion hormonodépendante, active ou deux acteurs favorisent l'absorption du calcium, la paratomore et la vitamine D. Dans un corps malade. Paratomore et vitamine D. Où il y a absorption de 6-13%. Ça m'a dit le matin. Dans cette portion, il y a un diurétique qui agit là-bas, appelé le diazidique. Vous savez que le diazidique peut donner des hypercalcémies. C'est un diagnostic d'élimination. Allez. Parce que normalement, à part la fonction hormonale ici, le calcium qui entre dans le sang, il est en compétition avec le sodium. Il a dit le sodium neutre, normalement le calcium n'entre pas. Pour le calcium au sodium est neutre. Alors, on dit que tu es neutre, qui empêche. Eh bien, toutes les conditions, je parle de la vie. Donc, beaucoup de râle, sodium est neutre, calcium est neutre. Ok? Amen. Attends, il est chic qu'il tue un peu le sodium, calcium est neutre. C'est un peu ce qu'il veut. Peu importe, peu importe. Manière, un peu le mécanisme dans lequel. Il peut y avoir certaines hypercalcémies et des diazidiques. La phénylénergie, moi j'ai calcium ici, vous avez beaucoup de calcium filtré, il va diminuer la pH, qui va agir au niveau du K.
تمام كده. Donc l'inhibition de l'ADH, d'où l'action antigramme, l'effet incipital de l'hypercalcémie. Donc ça inhibe l'action de l'ADH qui va entraver l'absorption de l'ovule. Voilà. Mais n'est-ce pas le phosphore? Phosphore? Moi je sais qu'il est. Je suis infiltré. C'est le phosphore minéral. Je suis au gaz, je suis pas au gaz, etc. Et bien le phosphore tout se fait ici, pratiquement. Très peu qui reste ici, 10%. C'est infiltré dans quoi? Dans le tube proximal, il est absorbé, le phosphore minéral, avec un gros transporteur. Et cette absorption, elle est favorisée par qui? Et elle est freinée par qui? Elle est favorisée par la vitamine D, mais elle est freinée par la PTH. L'action antagoniste. Elle est freinée par la PTH. Mais elle a une choix. La réabsorption du phosphore a un gros transporteur qui agit avec un TM, un taux de réabsorption maximale qui m'assure. Car ce côté-là a un seuil maximal où il y aura une élimination proportionnelle. Le mouche de phosphore a une petite compétitivité par rapport au sucre. La réabsorption totale, le sucre est absorbé ici, dans cet état, il est maximal. Donc, c'est pourquoi, dans les hyperglycémies, surtout augmentées majeures, vous avez une perte de phosphore. Une cause importante dans le tube proximal diminue lentement l'absorption du co-transporteur du phosphore. Donc, vous perdez beaucoup de phosphore avec les hyperglycémies au niveau du tube proximal. Donc, on n'est pas surpris d'avoir des hypophosphorémies. Fait les diabètes un peu déséquilibrés, avec des hyperglycémies importantes. Vous voyez du phosphore, vu que ça a une petite compétitivité minérale. Voilà. Le précédent 10% qui reste est là, dans le segment tropical de diffusion également, où il y a une, le reste, le très peu de phosphore qui est absorbé le plus dans le segment tropical, qui est hormonodépendant également là. Vitamine D et de la GH, éventuellement c'est de la GH importante, de l'âge de la croissance. Donc, quand vous imaginez que la dame Z-Aurie est égalée, donc tout ce qui est trouble du tube proximal, ce qui va donc vous fonctionner du tout, vous avez la notion de ce qu'on appelle quoi? Les rachitismes vitaminorésistants. Donc, les rachitismes vitaminorésistants, je m'en ai. Ce sont des rachitismes où la vitamine D. Mais parce qu'il y a une perte tubulaire du phosphore. Vous avez une phosphatémie en moins. Donc vraiment, vous mangez pas. C'est pas vous chercher la phosphatémie en moins quand vous mangez vitamine D. Mais comme un problème tubulaire de réabsorption du phosphore. Comme un problème de vitamine D, on va pas. Et donc, c'est vraiment une vitamine O résistante. Vous avez une chercher la vitamine D, mais je suis sale. الاخرين الفوسفور ضايع عشان فيتامين دي ما فهمناش اوكي بدل فيتامين دي تقدر يجيب اوكي فيتامين دي هما فيتامين ريزيستون فيا بيرت تبلير بروكسيما دي فوسفور دي زانومالي تبلير هذوما هما كنا بين دي فورم فيتامين ريزيستون دي فوسفات دي ان بوتون ما فيا وحال كي دي غران تشارج دو دي فوسفور ما فيش حل فريمون تبدا تجيب الكورون هو يضيع ممكن تعرف هو يضيع ممكن تعرف يا بدر يا فوسفات المتنيزه واضح يبقى il y a ce qu'on appelle un récepteur موجود au niveau de la cellule parathyroïdienne qu'on appelle le calcium sensing récepteur. C'est le récepteur sensible au calcium et quel calcium? Au teneur du calcium ionisé interstitiel, bien sûr. J'ai fait pour l'interstice. Donc, il n'y a pas de variation de temps, j'ai fait l'interstice. Un calcium donné au bouchon, c'est de donner le signal à la cellule parathyroïdienne. J'ai
يعني فيها احساس شو موجود بلاك. سي لو كالسيوم يونيزي انتستيسيلمون مهم جدا دو لوتي ديسامون اي دونك دو فير اونتري لو كالسيوم دون السيتوزور دو لا سيلول باراليتيك. اي سي العكس لو كالسيوم بيس il ne devra pas entrer le calcium dans la cellule. Donc, en fait, le calcium ionisé dans le cytosol de la cellule paradigmatique doit varier dans le même sens que le calcium ionisé interstitiel. Lequel est là, ionisé et le chien, et cet abaissement dans le calcium ionisé cytosolique déclenchera immédiatement la dégranulation des granules APTH. Parce que l'APTH, c'est une hormone, il sera synthétisé et stocké. Pourquoi STEM, le signal d'abaissement du calcium cytosolique. Il n'a pas, ou je taille, la nourriture, mais il n'a pas. Taille, donc il n'a pas. Signal immédiat de sortie de l'APTH. Immédiat, en quelques secondes, ça n'attend pas. Quelques secondes, il y a une migration. Motoise, la maladie motoise, on dit que malgré ça, il y a une cascade. Je suis quand même pour l'idée. Je suis dans une cascade. La cascade est depuis tout le temps à chambre. Alors, dans la réaction, l'ionisé interstitié, ou donc l'idée est d'être, ou elle est tout seul. Ma salute, je suis ici, par dégranulation, transcription, synthèse. Je synthétise, je transcris la PTH. Donc synthèse de la PTH. Bah, le Z, moi, je suis ici. Dis-moi même ta petite, à ma vie, quand même, c'est une seconde, c'est une paratérité. Multiplication. Par la cellule. La cellule se multiplie. Il y aura donc de l'hyperplasie de la cellule. Donc de l'hyperplasie, quoi? De la cellule paratéritée. Donc il y a des cas qui font chaud. En quelques jours, il y aura une duplication. Il y aura une synthèse. Donc quelques jours de la synthèse, quelques secondes de granulation. En quelques heures, synthèse, transcription. Non, bah. Hyperplasie, pardon, hyperplasie, je n'ai pas hyperplasie de la cellule, juste de l'hyperplasie de la cellule. Bah. Ma crise, bah, c'est un DHPC. Elle se multiplie, c'est l'hyperplasie. Donc, à tout le monde, voilà, je crois. Hyper par la quoi? Parce que la sécrétion elle est due toujours à quoi? À l'hypoglycémie. Mais je ne peux pas avoir. Ce n'est pas une sécrétion autonome. Ce n'est pas un adénome. La baisse arrière, malheureusement, elle est accalcée. Vous voyez, après les agressions ici par la TVDN, il y a la diminution du calcium ionisé. Donc la diminution du calcium ionisé après l'agression des cellules par la TVDN. Donc le marathon, le théâtre secondaire, pour tout ce l'intensité, on va dire, après le marathon, ce qu'on appelle l'hyperparathéridine. Donc le PTH, donc on est. Donc, sous une forme de gros hormones, de l'eau, on va être sous la forme lactique, liée à ce qu'on appelle anti-radicale. C'est la portion du PTH active, correcte, native, certes. Avec deux chairs, il y a la portion interminable 1, 4, la combinaison d'une position interminable, c'est la portion qui supporte l'activité. L'activité de la PTH est supportée par la portion interminable. Il a fragment C qui est le plus près. Mais quand on met une bouche, attention, la bouche de fragment. Fragment, oui, fille, les deux bouches, on va voir. Fille, elle est 1, 4, 5,
السماء اللي بيتياش ان تحت سنتياش هو الفاجي دونك سي لو دي دي سوسي مش في المخدوم الفاجي سو نور لوس اي لو لو دي سوسي نتاعي دونك الفا اجي دابا الدومي في تاع بي دي اش ضعيف تاع 5 مينوت دونك هاد سورا كليري بالجيلمون سورا انكتيفي دون فوا مي سورا انكتيفي دون لا ولا باش انكتيفي ديجا في سوني في كليري في دونك يورا لا اوبسيون تيرمينال يورا لا سيفين لا اوبسيون سي تيرمينال كي با باسي دونك اون اورا دي اوبسيون سي تيرمينال دون 100 مي بون دو سوا اون كو دي مي دي مي دي La boucle.
وده كالسيوم ميزين اوتوماتيكمون كالسيوم ميزين في السيتو شيال اوتوماتيك بس الكالسيوم سنسي يبقى با في رونتري لو كالسيوم دي ار بي سي في فوا دو كالسيوم يونيزي دون سيتوزور سوتي ايميديات وفي كوا ونجي على دوس وعاد pour faire quoi sur le A faire apparaître la forme vitamine D la plus active allez vous vitamine D ma coupe qui agit ça ok mais pas ma d'autres facteurs qui agissent à l'immunisation puisqu'il y a une médiage ça va alors en tout cas il y a une boucle immédiate une médiage qui est là immédiatement vous avez de la vitamine D même chaque chose il y a une croissance ultra sur 25 000 oxydes vitamine D3. Donc vous perdez la boucle digestive, hein, quand vous n'avez pas du substrat sur lequel A un trait d'oxydase va agir. Donc le tube digestif qui permet de réabsorber du calcium, et j'espère qu'il y a du calcium dans le tube digestif. La montée du calcium est d'air, il s'accélère et l'excédent va revenir à l'isthmus. Donc, elle est un peu la boucle de la pluie. Et sur l'autre, lequel le petit H va agir sur la main, à part là, l'action en l'air, réabsorber le calcium, c'est-à-dire les infos, c'est le petit cas, éliminer le phosphore, le vitamine D, lorsqu'elle circule, elle agira ici, va agir sur le rein, en réabsorbant le calcium, et le phosphore, comme des actions parallèles. Mais elle est la boucle de manière. Physiologique la plus restreinte. Ni d'autre. Même le PDH, le secteur direct de l'Isdam, le marre de Rajo, on sait que c'est une cellule par la théorie. On a dit que c'est à la cellule. Voilà. Donc, en fait, le problème crucial, comme on dit, il y a une insuffisance rénale terminale. Je n'en ai pas. C'est ça, la réalité. Là, l'oxydase, elle est éteinte. Les néphrons sont massacrés. Donc, on avait vu dans l'oxydase, qui on avait vu de l'électrocoïdie. D'où la dualité et d'autres choses. L'anémie, le problème de l'oxydase, est une leucémie vraie. Parce que c'est l'oxydase qui dit ça. Elle est vraie. Je suis ici, je suis à vous. Aïchi, une fin d'ambiance. Ambiance d'entrée digestive nulle. Voilà la clé de la. Donc, toujours, l'ionisine n'est pas, et toujours le signal de pH qui sort. Allez, et allez, allez, vous verrez, vous verrez, vous verrez, vous verrez. Il n'y a pas de l'alpha-hydroxylase. Là, le pH qui monte. L'ionisine n'est pas normalisée. Il échauffe en ambiance. Et je vous dis, voilà, il vous dit, secondaire, permanent. Vive. Oui. Regardez, je l'ai dit ici, on est suivi, il est fait par des médias périodiques. On accepte pour l'instant, 400 ans. Enfin, toutefois, il est venu, on est prêt, allez. Quand elle a dit qu'à aller, je suis mort. Le passage, c'est le début de voilà, il vous dit, tertiaire. Vous dites que c'est bien, allez, je vais. Quand les pères parlent de son bonheur et de son bonheur, elle répond à la réputation. De manière qu'il rejette le tout du général de lui. Je le cache. Ah, tu n'as pas de... Mais il y a aussi un tercier, nous sommes marqués de chinois, marqués d'autonomie. Les pères d'Asie autonomes. On m'a rebaqué. Une cadre de manier, j'ai une navette. Mais c'est ce qu'il y a. إذا تصبح البربرات المنتسية حتى لو كان كالسيوم يرجع الرماد ما عادش تسمع كلمة. كيف؟ اللي اوتونوميزي تخدم بالكادونس عبارة عن واحد تيمر بين ايدي تلقى في ايدي انت بالكرونيسيتي ديال الديموكراسي. نعم؟ تريتمون نحكي لها لا تخدم خاطر بارفوا اكسبيريونس نحن الكعبة كيف قبل الأربع بتاعك من الرمال نحن
تعرف ليش وين فين؟ ليش نقول؟ فقاموا يكبروا سنين مثلهم. ليش ماشي؟ هو ما وليد. قاموا شكون يصفق؟ دك. والله ما بين شخص ولا لا. دك. أعطاني دين. دش. وليس كانوا من دون عبيد لكن هي يوم دافع بلو تكسر هاي شو عملت يمس نبض قوة أنت تسلم عليهم تسمع تك كل شيء شيء تبدي لعبهم شيء ما تيجي شيء أسطو كروس سيف أسطو كروس سيف ديفراتيو سبونتاني من ما سيلك بقرون كلامي سي بوسا حتى في الإمام الدياليزي يحاول ديما للدياليزور ديما يرجعوا إلى السيرة وما ما يخليوش هاو. ياخذوا فيروس لكن شو في انتو يعني؟ يافا يلزم مش نسكن ياخذوا فيه. يفول يفول فيه دريت البريكوس مش بعد ما تصير المشكلة. فهمت؟ دونك هذا دونك في الآخر شكون؟ مسكين كيلو بزيد ولا مسكين 99 غرام شو مسكين كل مشاو معناها هبة ضحية كادو شكون مليونيزي سيتوبلازمي وسير بلازما كليكي وهبوا ضحكوا العظام من نجم اللي تعيش وتقعد كلا بلازما كيك ستار مشاو تكنيك دونك بريبون من بيسبا ليميناسيون ليكاسيون au service de l'ionisé de plasma liquide, au service. Il y a trop de gens qui ont un peu de vie, il y a un peu de vie. Donc ce qu'on appelle, il y a des gens parfois, il y a des neurologues qui jouent, qui ont une substance indéterminable, où il n'y a pas en normocalcémie limite supérieure. Il y a un peu de vie, ils sont hachés. بعد ما تفوت
qui est la 25 fois chez toi, ce n'est pas la forme active. On fait la forme de stock, mais pas la forme active. Et dès qu'il y a une idée, ça va être une idée, c'est la forme de semaine. Donc ça casse deux amis. Comme tout. Si votre fonction rénale est correcte, pourquoi vos stocks de vitamine D sont bas? C'est parce que. Défaut de synthèse de la vitamine D. Donc il y a une série de cycles qui tournent. Avec une chance, on fait des écrans, on ne s'expose pas. D'autres jours, les vitamines D, on n'a pas besoin chaque jour de la vitamine D, on fait des stocks. Je mets un vigile de mes dolores. Et puis, le bonheur, il y a une sorte de fissure, et là, voilà. Il y a un antoine et un stock. Il ne passe pas, il y a un antoine et un stock. يا أستاذ جالس بيتمونا شيء ما نص عليه في النرويج. سواء اللي ترامي، هم في الستور. طبعاً نحن الستور تاني سيكويز. روس من سيكس بس بعد ما نجينا كويس ما. خويا اسمع، كيفش على الجو؟ خويا صار مستيروشي. أنا شو ما أعرف، بس أنا ما نتخبيه كده. طبعاً يفوق ما مستيروشي. ما مشكلة.